Ça claque, non? Pas de relief? Eh ben c'est pas un problème, ça se crée, voilà. Salut à toutes et à tous, il est 16h, nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec la création d'un rafting. On va plutôt dire un River Rapids, puisqu'à cet emplacement j'ai beaucoup aimé l'aspect marécage, vous le savez, et que la place me paraissait plutôt bueno pour faire un raft. Je voyais bien ici une attraction aquatique et j'en suis plutôt content. Alors oui, avant toute chose, oui messieurs dames, ce n'est pas un rafting avec deux lifts, avec des sensations à tout va, non. Non, je ne vais pas reproduire un parc d'attractions américain, je ne vais pas non plus reproduire le raft de votre parc d'attractions préféré parce que vous êtes un coaster fan. Voilà, je vous rappelle que tout ce que je crée, c'est mes envies, c'est mon inspiration du moment. Donc voilà, en tout cas l'idée de ce raft, et vous allez le voir, c'est pas fini, hein, faudra continuer les finitions. Mais l'idée, voilà, c'est d'être dépaysé, de se faire bien éclabousser, passer du bon temps, et puis voilà, d'être en immersion dans un décor de jungle. Après, Planet Coaster oblige, on ne peut malheureusement pas faire comme en vrai, à savoir faire des effets de trous par exemple. Dans les raftings, il y a des moments où il y a des sortes de trous dans l'eau, ça éclabousse et tout, c'est super cool. Donc là, bah, faudra se l'imaginer. Un seul lift avec une descente plutôt sympa, voilà, très classique. À la fin, ça éclabousse très bien et ça tourne. On se prend de la flotte sous une cascade d'eau, il y a des jets d'eau également, une caverne. Donc voilà, tout est axé, on va dire, sur les décors. Après, j'aime bien le layout, le circuit me plaît. Voilà, à nouveau, c'est pas de la sensation avec de la vitesse, etc. Mais c'est comme ça que j'imaginais la chose et j'en suis très content. Voilà, va falloir accepter, les amis, que dans beaucoup de parcs d'attractions, il y a des water rides comme le mien. Et il y en a même des moins bien que celui-là. Voilà, on n'est pas aux USA, on est à Taki Park. Et même si en France, il y a des rafts qui sont ultra stylés, ultra cool, ultra sensationnels, et ben ça c'est mon raft à moi, c'est celui que j'ai voulu créer tout simplement. Donc voilà, cela dit, j'attends de vous évidemment à nouveau vos retours, parce que c'est vrai que vous m'avez aidé de ouf. Là vous m'avez donné beaucoup de conseils, je vous en remercie, que ce soit pour le prochain coaster à construire, mais également pour le coaster Inverted que je vous ai présenté. Donc là voilà, si vous avez des suggestions pour combler et pour donner une ambiance jungle réussie, et ben n'hésitez pas. Voilà, les décors ils sont pas finis et puis voilà, donc avec ce raft on peut commencer tranquillement la terraformation du parc, parce que vous m'avez dit que mon parc était plat et qu'on pouvait pas faire le raft. Ben vous voyez que c'est totalement faux, il suffit juste de créer le relief, hein, et vous voyez que c'est pas un problème. Et alors l'avantage c'est que je suis mes envies en priorité, donc j'ai quand même fait le raft parce que j'en avais envie et bah, j'ai relativement bien fait. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Encore une fois, voilà, faut faire tout ça au fur et à mesure. Puis voilà, bah, regrettable, on va dire que Planet Coaster n'ait pas plus travaillé sur les raftings, on va dire, ça aurait été incroyable. Même s'il y avait une mise à jour pour avoir plus de réalisme, j'aurais trop aimé ça, mais je crois que ce n'est pas d'actu. Allez, du coup, on est en jeu. Très joli monsieur, très joli monsieur. On est au niveau de la ronde des bambous. Et je vais du coup vous montrer un petit peu le rafting comme il en est actuellement. On va un petit peu discuter également de vos commentaires. Et puis voilà, tout simplement. Alors, je voulais dire quelque chose. Non, je ne sais plus. Bon, on va commencer par le commencement, c'est pas grave. Donc le rafting, pour le moment, avec cette arche customisée. Pourquoi pas, hein, c'est une idée. Pour la file d'attente ici, le chemin il est comme ça, mais par contre évidemment pour les décors c'est pas fini. Voilà, il y aura tout un décor. Ah oui, je sais ce que je voulais dire, tout simplement que j'avais rouvert au public justement uniquement pour la ronde des bambous et rafting. Voilà, histoire qu'il y ait de la vie, histoire de voir un petit peu comment ça rend. Regardez comme ils ont l'air heureux là-bas, évidemment qu'ils sont heureux. J'aurais pu ouvrir aussi ce coaster là parce que justement il y a un côté intéressant, c'est que quand le coaster ici Inverted passe et que les raftings passent, bah c'est ultra stylé la sensation que ça fait. Et puis en plus il y a des jets d'eau, enfin voilà, c'est plutôt sympa. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité de l'image, puisque j'ai fait quelques petites retouches et j'aime bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Alors le rafting, donc la file d'attente bien sûr qui n'est pas finie, mais on a l'idée avec des petits un petit cours d'eau juste à côté, tac, faut pas aller dans l'eau évidemment, attention, risque de noyade, avec le bamboo ride qui passe juste à côté. Le bamboo ride, oui je l'appelle le bamboo ride, la danse des bambous, voilà, la ronde des bambous. Voilà, alors le bâtiment j'ai vraiment galéré, donc alors il manque encore les décors parce que là du coup c'est très brut, hein. C'est très brut forcément, donc là c'est très moche, mais on a l'idée à peu près de ce que je voulais faire, donc file d'attente vraiment, alors là en l'état ça fait vraiment file d'attente de connard, c'est à dire
comme dans certains parcs, mais vraiment c'est genre on te met comme des vaches et puis tu attends quoi. Mais quand ce sera décoré, ça va être beaucoup plus agréable. Après, l'attente est toujours longue, malheureusement, c'est comme ça. Et puis voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Au niveau de la sortie, c'est par ici, donc avec les petites fenêtres, là tu peux voir un petit peu. Oh là là, j'ai évité de tomber. Bref, et puis voilà, la sortie juste là, avec un jet d'eau ici pour arroser de manière sympathique les gens qui repartent, sachant qu'ils seront déjà bien mouillés un petit peu. Donc dès que là, lui là, il arrive vers là, il y aura un petit jet d'eau qui va arroser. Donc voilà, le but c'est pas d'abîmer le bois, donc c'est très léger, je vous montre, accélérer, hop, regardez, tac, ça va arriver là normalement, si tout se passe bien, messieurs dames, c'est quand tu veux. Ah voilà, ça y est, évidemment c'est le moment où je tourne la tête. Donc c'est très léger, c'est rien de bien méchant. Ensuite, avant de faire le rafting, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ici. Et oui, ce n'est pas fini. Donc là, on a un sens interdit. Pourquoi? Parce que les gens peuvent venir dans l'autre sens. Puisqu'ici, je vais aménager tout simplement une petite place. Enfin une petite place, des petits chemins pour se promener. Donc là, par là tu sors. Donc là tu vois, j'ai fait des petits cours d'eau là. Le petit cours d'eau juste en dessous. Le cours d'eau d'ailleurs qui rejoint l'attraction là-bas, l'attraction bleue, le Kiddy Coaster. Vous m'aviez donné des idées de nom, c'est très très bien. Et par là on sort, donc c'est encore pas décoré pour le moment. Et donc on sort par là, hein, tout simplement. Et on rejoint la place ici. D'ailleurs très bonne idée les amis, je vais entourer les tacos là, les voitures. Je vais entourer ça de pierres. Ça va être ultra stylé, j'y avais même pas pensé, je suis débile. Et vous m'avez donné l'idée, c'est incroyable, ça va être génial. Je vous jure, ça va être génial, voilà. J'ai très confiance en ce projet. Mais du coup, on peut rentrer, voilà, comme lui, regardez là le rouquin. Pas du tout, ils s'en fichent, ils sont ensemble, d'accord. Mais peut-être qu'eux, ils vont y aller. Pas du tout, ils s'en foutent, ils veulent manger. Bon, eh ben, on peut aller dans ce sens, tout simplement. Et regardez ce que j'ai fait. Parce que je trouvais ça plutôt sympa. Donc il y a des petits chemins par-ci par-là, tu vois. Là tu te promènes dans la jungle, dans les bambous. Voilà, c'est bien sympa. J'aime bien ce côté un petit peu où tu te promènes. Et en fait j'ai fait un petit parcours, tout simplement. Alors le but c'est de pas tomber, donc forcément j'ai facilité le truc. Mais j'ai fait un petit parcours, voilà, comme ça tu peux sauter dessus. Je t'en ring. Bon du coup je peux pas en caméra TG de cam, mais tu m'as compris. Voilà, tu peux faire le petit parcours. Et puis pareil, il y a un petit pont par là pour rejoindre. Donc voyez un petit peu l'idée. Voilà, c'est un petit coin, ce sera un petit coin aménagé. Enfin aménagé je sais pas, pas forcément. Mais juste voilà, un petit coin où on peut marcher. Dans quelques parcs, il y a des endroits comme ça en marge qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien même. Mais où il y a juste voilà des petits rondins où tu peux passer au-dessus de l'eau. C'est plutôt sympa. Et donc j'ai dans l'idée ici de faire un long coaster. Enfin un long coaster, pourquoi pas, ouais, faire un grand coaster ici. Après pour la file d'attente, je sais pas trop où c'est que ce sera. Je vais être honnête avec vous. Faudra peut-être décaler certaines choses ou faire autrement, je ne sais pas trop. Peut-être que la file d'attente sera là, j'en ai aucune idée. Ou peut-être qu'il n'y aura pas du tout de coaster. Mais par contre, voilà, vous m'avez donné une idée. Si jamais je faisais un coaster ici, ça pourrait être un wooden en bois, hein, tout simplement. Voilà, wooden, wood, bois, bien sûr. Lol. Et donc, ça pourrait être une bonne idée. Ce serait un petit peu le classique du truc. Donc pourquoi pas. Donc là, ici, entourer tout ça de pierre, je le ferai. Je ne vais pas répéter ma messe 32 fois pour la grande roue, mais je ne sais toujours pas comment l'aménager. Pour ici par contre, très bonnes idées, merci. J'avais complètement zappé, mais c'est vrai qu'on peut utiliser voilà, des formes artistiques pour au lieu d'utiliser ça. D'ailleurs, je vais tout de suite de ce pas l'enlever parce que ça me fait chier. Et en gros, dans l'idée, voyons voir ensemble, dans l'idée, on pourrait même... Alors attendez, parce qu'on pourrait même ne pas se casser la tête plutôt que faire des marches. Est-ce que ça marcherait pas? Ouais, regarde. Attendez, mais ça marcherait super bien en fait. Mais attendez, ça marcherait super bien. Alors le mieux ce sera de prendre des petits, mais attendez, ça marcherait super bien ça pour le coup. Plutôt que se casser la tête à faire des escaliers. Alors la pente est raide. Enfin la pente est raide encore frère. Alors la pente est raide pour des personnes à mobilité réduite, ça c'est, je le conçois parfaitement. Mais la pente n'est pas si raide que ça pour marcher tout simplement. Il hein. Y a des il y a les rampes sur les côtés. On a déjà vu que des trucs comme ça. Hein. Et en vrai, oh là là, là vous venez de me donner une strat. Tu vois, parce que en plus je me suis cassé la tête à faire les escaliers, donc plutôt que de se casser la tête, j'ai juste à faire ça comme ça en fait, en mode rampe. Et je pense que ça peut rendre un truc très sympa. Bon, on verra, dans tous les cas, personne à mobilité réduite, c'est par ici. En parlant de mobilité réduite, alors il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça n'allait pas ici, dans le Jungle Temptation, parce que j'ai fait un accès ici, évidemment, pour mobilité réduite. Mais comme je l'ai expliqué ici, attends, je vais mettre en pause parce que la musique ça va 2 minutes. J'avais expliqué que bon, Planet Coaster oblige, il y a des barrières de partout, mais il faut s'imaginer qu'il y a un accès facilité, etc. Et en fait, une personne m'avait dit
que ça ne marcherait pas parce qu'ici, à la sortie, il y a des escaliers. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'idée, c'est que globalement, chose qu'on ne peut pas faire sur le jeu, mais il faut s'imaginer que une fois que le tour est terminé, les personnes à mobilité réduite pourront repartir dans le sens inverse. Je sais pas, je sais que c'est un peu abstrait ce que je suis en train de vous demander d'imaginer, mais il faut vraiment s'imaginer que il y a probablement un chemin ici là comme ça qui traverse en plein milieu, tu vois là, regarde. Ici là, faut s'imaginer qu'il y a un chemin qui traverse en plein milieu et qui croise les gens, tu vois, les gens ils attendent comme là-bas, regarde là, les gens ici ils attendent que les gens passent là. Donc c'est la même chose ici et faut s'imaginer que là hop, fauteuil roulant ça passe ici, il se met dedans bien aidé ou voilà. Et une fois que c'est fini, tac, il ressort tout simplement, il repasse par là et puis ça pose pas problème, c'est suffisamment large, c'est enfin voilà quoi. Donc c'est ça qu'il faut s'imaginer, évidemment, il va pas prendre les escaliers ici, sinon c'était complètement con d'avoir fait une installation comme ça. Donc voilà, c'est ça ce qu'il faut s'imaginer, et je vois pas trop comment je pourrais faire, peut-être qu'avec de l'inspiration ça viendra. Ok, ensuite vous m'avez vraiment convaincu pour le train ici qui fait le tour du parc, je vais... Attends, j'avais complètement oublié le zizi. J'avais complètement oublié ce truc. Mon jeu est ultra fluide par contre, c'est incroyable. Merci L7C Fox. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà le Iron Horse, le tour du parc. Je le ferai donc au sol. Enfin, du coup, il va descendre pour faire le tour au sol. Et ici, il va remonter. Ce sera évidemment bien plus sympa, voilà, avec des passages à niveau. Et ça permettra de voir les coasters d'en dessous, plein de trucs comme ça. Le seul truc, c'est que vous m'aviez encore dit, si, il fait deux gares ou trois gares, machin. Non, non, je maintiens, c'est mon parc, j'ai envie de faire qu'une seule gare. C'est pas parce que vous connaissez des parcs qui sont petits et qui ont plusieurs gares que moi, nécessairement, je vais devoir faire plusieurs gares. Parce que je connais des parcs qui font la même taille et qui n'ont qu'une seule gare. J'ai envie de faire comme ça. Si j'avais envie de faire une deuxième gare, je le ferais. Mais là, j'ai envie de faire qu'une seule gare, à savoir ici. Parce que en vrai, de toute façon, il n'y a même pas la place. Ah, on peut toujours faire de la place, hein. On peut très bien faire une gare là-bas, par exemple. Mais c'est chiant, quoi. C'est loin, quoi. En fait, ça sert à rien de marcher. Enfin, bon, bref. Le but, en fait, c'est pas forcément pour faciliter. Parce qu'il y avait des arguments qui disaient, oui, en fin de journée, quand t'es fatigué, c'est quand même pratique de passer de là-bas, tu vois, au bout du parc, à revenir ici avec le train. Mais mon frérot, tu fais 45 minutes ou une demi-heure d'attente pour faire le tour du train. Genre en 10 minutes, même si t'es fatigué en marchant lentement, en 10 minutes tu traverses le parc. C'est un argument nul à chier. Donc non, c'est pas fait pour se déplacer rapidement, bien au contraire, c'est juste pour chiller, pour faire le tour du parc. Et voilà, tu vois, la digestion quoi, comme on dit. Ou la mise en bouche, comme vous voulez. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, c'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de parcs, encore une fois. Et puis c'est comme ça que j'ai envie de faire, tout simplement. J'ai pas plus de justification à dire. Voilà, le rafting, on est là pour ça, non? Alors on va pas faire un on-ride, pour des raisons évidentes, hein, parce que, bon, on va se faire chier. Même si cela dit, c'est quand même sympa, hein. Mais encore une fois, il n'y a pas les effets que j'espère. Par exemple, là, dans cette grotte, je m'imaginerais trop... un appel d'air, tu sais, un trou et ça fait voilà, du coup vous me voyez pas, mais du coup le machin, le bateau penche et pff, tu te prends une belle vague dans le bateau, tu vois. Mais donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on part par ici, vas-y, on va suivre un... Ah, ils sont complets, on va les suivre, hop. Donc là ça part, donc voilà, faut s'imaginer que par moment, tac, le truc tangue et il y a de la flotte de partout. Ah bah comme là, tu vois, voilà, ça faut s'imaginer qu'il y a des fois ça, tout simplement. Magnifique. Donc là, hop, on arrive ici, je fais quelques accélérés avec... Alors là le jet d'eau, faut pas le regarder, c'est au retour. Voilà, le premier jet d'eau, rien de bien méchant, juste histoire de s'arroser un petit peu. Voilà, ça fait quelques petites paillettes dans la nuque, rien de bien méchant. On continue ici, et là il y a la roche Valmont qui fait de la flotte une fois. Top. Et une deuxième fois bien à côté. Top. Voilà, c'est bueno. Avec ici une hippopotame et un serpent. On voit d'ailleurs l'autre bouée qui arrive de la grotte. Alors, j'ai fait le choix aussi d'installer ces trucs-là, ces animaux, sur des plateformes que j'ai fait moi-même avec tout simplement des toits plats de château, hein, tout bêtement. Bah tout simplement parce que je trouvais ça plus réaliste. Alors oui, je peux totalement faire ça. Hein. Alors d'ailleurs, je les ai pas animés. Hein, ils sont inanimés. Bon là du coup ils bougent, mais je les ai mis en stationnaire. Voilà, regardez là. Tac, hop. Ils bougent plus. C'est comme ça que je voyais la... Enfin, c'est comme ça que je pourrais faire. Mais je me suis dit, voilà, pour faire vraiment parc, et ben tout simplement, voilà, il est sur une plateforme. Voilà. Donc là ça monte. Là il y a un petit... là il y a les j'appelle ça les rejets d'eau. Parce que du coup j'ai fait tout un truc là pareil avec... des murets autour pour... Enfin voilà, je vais essayer de tenter. Hein, histoire que ce soit le plus réaliste possible. Mais voilà, ici c'est une sorte de rejet d'eau, je me suis dit pourquoi pas, tu sais, ça fait vraiment genre le trop plein d'eau quoi qui arrive ici. Bref, donc là il y a de la vapeur, il y a
la cascade d'eau. Et c'est parti pour la descente qui éclabousse bien et qui tourne du coup. Hop là. Et puis alors là, faut s'imaginer que s'il y a le coaster qui passe ici, c'est vraiment sympa. Ah, il y a quand même des effets de trous là. Il y a quand même des effets de trous, mais comme dit, c'est pas volontaire malheureusement. Si on pouvait vraiment choisir, ce serait génial. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, tout simplement, là on va passer sous la cascade. Là j'aime bien cet endroit. Alors la cascade, je me suis pas cassé la tête, évidemment c'est moi qui l'ai faite, mais je l'ai copié-collé de la première que j'ai déjà faite au niveau de l'attraction Armada. Hop, là ils sont bien trempés, hein. Là ils ont le seum. Hein. Ah là ils ont le seum, et puis si ça suffit pas, ici ils ont droit à quelques jets d'eau. Voilà, bon, rien de bien méchant là pour le coup. Du coup voilà, un petit peu. Peut-être que les jets d'eau, il faudrait que je les fasse intermittents, je pense. Et puis voilà, des lianes par ici. Et puis voilà, là on arrive sur la fin. Alors pareil, alors là il y a un petit crocodile. Le crocodile. J'ai pété un plomb sur la précédente vidéo, là vous me l'avez fait remarquer. Le crocodile. Et là pareil, donc sur les roches, pareil, le jet d'eau. Top. Voilà. Je connais presque par cœur le moment. Et puis là évidemment c'est pas fini, une fois qu'on arrive là. Comme je vous l'ai dit, il y a les jets d'eau pour les gens de la file d'attente, enfin pour la sortie, qui vont s'enclencher. Et puis des jets d'eau également pour le bateau. Hop. Voilà. Tout simplement, rien de bien méchant. Totalement mignon. Voilà. Ceci étant fait, c'est terminé. Et je suis plutôt content, puisque du coup là il manque plus que... Waouh, violent ça. Il manque plus que les détails, il manque plus que quelques petites choses, voilà, à peaufiner et puis rendre ça un peu plus jovial. Mais dans l'idée, c'est bon. Alors là, je vous vois venir encore une fois. J'aurais dû commencer par ça dès le début, mais oui, je sais qu'il y a des raftings. Je connais Europa Park et dans beaucoup de raftings, c'est comme ça. Mais vous savez, c'est une plateforme ronde qui tourne. Alors là, je saurais pas l'expliquer, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est une plateforme ronde qui tourne. Tu vas dessus et tu t'installes et il n'y a pas d'arrêt. Bon, bah il s'avère que il y a aussi des des rafts qui sont comme ça, voilà, tout simplement, en file d'attente, tout simplement. Et puis d'ailleurs, encore une fois, Planet Coaster oblige. Alors oui, on peut très bien faire... J'ai vu hein, les vidéos de... Du coup, je sais plus, mais à chaque fois, vous me disiez de regarder leurs vidéos. Mais je les ai vues, moi, au début, quand j'ai débuté à Planet Coaster, les vidéos de... Ah, je sais plus, c'était un duo qui ont fait un parc. Bref, je pense que vous voyez de qui je parle, je mettrai... en description ou en fiche si j'oublie pas. Mais bref, tout ça pour dire que je sais qu'on peut le faire, mais j'avais pas envie, tout simplement. J'ai augmenté la vitesse d'ailleurs, comme vous me l'aviez demandé. J'ai un peu augmenté la vitesse de la ronde des bambous. Après, faut pas non plus que ce soit trop rapide. Hein. En fait, dans Planet Coaster, on n'a pas les vraies sensations qu'en vrai. Mais il faut se dire que c'est à peu près la vitesse du truc. Hein. Si ça va plus vite, bon, c'est un petit peu cassé en mille morceaux, quoi. Hein. Mais là, voilà, j'ai quand même augmenté la vitesse. Là, ça fait un bel effet... comme vous dites, de airtime. Même ici, ça fait un airtime du coup. Voilà, vous allez vous moquer de moi quand je dis ça, mais ça fait une sensation de airtime à la fin du lift, vu que ça va vite et tout. Attendez, est-ce qu'il fait encore un dernier tour ou pas? Non, dommage. Bon, de toute façon, vous l'avez vu. Donc voilà, à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Bon, en tout cas, pour ce qui est de celui-là... Ah oui, vous m'aviez suggéré de faire le deuxième looping plus haut. Oui, parce que j'ai un problème de... Bah, je perds de la vitesse dans ce coaster, malheureusement. Et c'est bien dommage, donc je vais un petit peu le peaufiner. Je vais le peaufiner, ça ce sera pas un problème. Je vais le refaire un petit peu. Et puis voilà quoi, tout simplement. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est parce que le tour du parc là j'ai pas envie de le commencer vu qu'on sait pas encore comment ça va continuer l'avancée du parc. Donc là tout simplement ce que je vais faire putain qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, c'est vrai que je vous ai même pas montré l'intérieur là. Bon c'est pas rien de bien méchant mais voilà, il y a juste ça quoi, pour faire un petit peu caverne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah je vais rajouter juste des petites pierres là autour de l'attraction voiture. Et puis let's go, tout simplement. Hop, les barrières sont placées. Donc voilà, un petit peu le premier prototype, on va dire. J'aime bien dire prototype. C'est la première version des cailloux autour. Comme ça, c'est pas mal. Et ça permet, alors vu de haut, bon, ça reste un parattraction. N'oublie pas que tout n'est que décor et que ce sont des pierres en maquette. Hein, faut pas l'oublier. C'est pas des vraies roches. Mais du coup, à hauteur piéton, à hauteur visiteur, et ben ça fait très très bien. Là, j'ai fait en sorte de laisser quand même de l'espace pour qu'on voie un petit peu la voiture. Là, je pense qu'on pourra placer des bancs. Après, bon, il y a déjà des bancs ici, remarque. Les gens qui jettent leurs déchets alors qu'il y a des poubelles à 2 mètres, c'est quoi votre problème? Je ne sais pas, mais du coup voilà, ça permet un petit peu de faire ça. Alors, j'avoue, je voyais pas les roches aussi hautes. Alors c'est bien, hein, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup on voit pas les tacos. Alors on les voit ici, c'est pas un problème. On les voit ici. Bon si, ça va, on les voit quand même. Si, c'est bon. En fait, il y a des endroits où c'est plus haut.
mais on les voit relativement bien quand même. Ouais si c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc ça c'est cool. Bon évidemment l'attraction est fermée, hein, sinon vous doutez bien que les gens iraient, hein, puisque c'est incroyable. Du coup voilà un petit peu pour tout ce qui a été fait. On est plutôt pas mal. Alors voilà, je suis preneur encore une fois de vos astuces, de vos idées pour le côté là, le côté jungle un petit peu. Là faut s'imaginer que c'est un peu le côté aventure, tu vois. Ici c'est aventure, là-bas c'est jungle, même si c'est ça revient au même, hein, de toute façon. Dans l'idée, c'est de toute façon c'est la thématique du parc, hein, mais du coup voilà, si vous avez des astuces, je suis carrément preneur. Et puis voilà, là l'idéal ça va être que je me concentre un petit peu pour refaire ça, parce que c'est très important. Et puis je pourrais éventuellement un peu modifier là le Green Temptation, le Jungle Temptation, et changer du coup, enlever le... Ça m'embête parce que je vous jure que j'aimais trop ça, et dans la vraie vie je sais que ça fait des trucs sympas quoi. Et même si, enfin tu vois c'est, bon bref. Mais bon, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il faut mettre un autre airtime comme vous dites. Mais le problème c'est que j'aime bien ce truc quoi. C'est ça ce qui est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, je vais voir comment je ferai, peut-être que, bon, je sais pas. Mais ceci étant dit, ceci étant fait, voilà un petit peu pour les avancées du parc, j'espère que vous kiffez. Je rappelle quand même que, bon, j'ai commencé relativement vite parce que j'avais déjà mes idées pour là et là, mais mine de rien, je me suis très très vite étendu, donc tout va très vite. Et encore une fois, vous avez vu, le relief, c'est vraiment pas un problème. Eh, là, vous pouvez pas dire que c'est plat, hein. Clairement, ça donne quand même beaucoup plus envie. Et puis encore une fois, à tout moment, je vais pouvoir rajouter des collines. Après, le parc, dans l'ensemble, là où j'ai déjà placé des choses, c'est plat. Après, il y aura de la terraformation ici et là. Sur les bords du parc, il y aura quelques petites collines. Rappelez-vous qu'on est à côté de la ville et que c'est fake, en fait. C'est globalement tout ce que vous voyez est fake. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Voilà, c'était Mkolo. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est cool ça. Plein de bisous, ciao tout le monde.